Belvédère. On va faire dangereux, attention. Que là, tu fais un plongeon, tu tombes dans l'eau, hein, mais bon. Ça a été bouché ? Ouais. Thank you.
recherche de la mine d'or vers le Montana. Toujours en mode de recherche. Mais c'est comme ça qu'on fait les plus belles découvertes. Là, un cadre magique. On est dans des grandes forêts de hêtres. Et on peut voir derrière la magnifique couleur bleue du lac du Montana. C'est quelque chose. Non, on n'est pas au bord de la mer, en montagne, de 800 mètres. C'est que passe le petit train de la mûre là-bas, tu vois. Donc le restaurant, il est au-dessus. Oui, non, mais on le voit. Ouais. On voit pas là. Ouais, ouais. Le petit machin. Donc, on était là. Ouais. Oula, on était pas encore. À mon avis, la source, elle doit être enfouie à 100 mètres au fond du. Parce qu'il y a 100 mètres, plus de 100 mètres de profondeur. La fameuse source thermale à 60 degrés. Eh ben, elle est là. Enfouie au fond du lac du Montana. C'est dommage, hein, c'est vraiment très dommage. C'est qu'elle est. Elle est là, elle coule, chaude. Donc elle fait certainement monter la température. Cet endroit qui est devenu magique, mais qui est un lac artificiel en fait. Hein. Là, nous avons nos demoiselles coiffées dont les coiffes sont tombées récemment. Donc il y a de nombreux affaissements dans le secteur. On peut voir la pointe de l'église où se trouve un point de vue imminent sur tout le lac du Montana. Donc on s'y trouvait l'autre fois, là. On y repassera peut-être tout à l'heure. Non mais pas sur le plat du. Non. Ouais, des fois la source elle arrivait là. Hein. Ouais, une partie, mais quand ils ont fait un chemin là, c'est pas pour. Machin, ouais. À gauche, à droite plutôt. Ouais, attends. Là, il y a des affaissements de terrain. Puis non, mais avec les feuilles, ça s'est accumulé. Ouais, ouais. Ça c'est tout, regarde, on voit que ça a tout glissé. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ça a été bouché, hein. Attends, on ne sait pas ce que c'était. Une minute, je fais une photo. Toujours en dehors des sentiers battus. Donc on essaye de trouver où s'est passée cette source d'eau chaude, sachant que maintenant, elle est perdue à jamais dans le lac du Montana. Mais voilà, donc c'est un petit peu désobligeant, parce que bon, on a vu des jolis panoramas, des jolis coins, et on trouve ici quand même un climat un peu particulier, ça fait un peu l'ambiance semi-tropicale. Il ouais. Y a le beau temps, on marche, on fait du sport. La source qui se jette dans le climat. Et donc les vestiges du passé sont effacés. Les seuls vestiges qu'on peut trouver, c'est quelques ruines d'une. Téléphérique. Oui, d'un téléphérique notamment. D'une exploitation industrielle ancienne. Donc on a vu une date 1910 tout à l'heure. Donc c'était avant les deux premières guerres. Donc ça fait maintenant 112 ans. Et maintenant, on va essayer donc de redescendre sur le ruisseau. Alors, on a trouvé un sentier. Alors, vous voyez, on est vraiment, on se sent seul au monde. On est vraiment sur des sentiers qui ne sont pas répertoriés, quoi. C'est de l'exploration pure. Donc, nous, comment on a fait? Eh ben, on a demandé aux gens aux locaux. Hein. Donc on a eu la chance de rencontrer un chasseur qui nous a expliqué beaucoup de choses. Donc on sait qu'on ne trouvera plus la source, mais qu'elle existe. Hein. Donc quand ils ont construit le barrage, ben, personne n'a pensé, bien entendu, à capter cette source d'eau chaude. Ce qui est bien dommage. Hein. T'as vu le petit sentier, une eau à 60 degrés,
On aurait pu faire bien des choses aujourd'hui. Ça. Ouais, il y a des sentiers un petit peu abîmés. Hein. Ouais, il y a des affaissements de terrain dans ces zones. Voilà, donc le panorama est vraiment exceptionnel. Là, c'est, je suis sur le bord d'un rocher. Voilà. C'est quand même superbe. Hein. Voilà, des rochers, de l'eau bleue. On a envie de se baigner. Mais il y a des gens qui font du ski nautique. Et on a déjà vu aussi la police qui tourne en bateau. Donc, c'est surveillé. Yep, Chabala. Toujours un peu difficile de faire la marche avec une caméra dans les mains. Il y a une cascade. On entend. On voulait essayer de la voir, mais on va voir, il y avait un autre sentier. Magnifique. Nous avons les bateaux de plaisance hein, sur le lac. L'outil de radiesthésie, m'annonce que c'est bien dans cette zone que coule l'eau chaude. Donc il y a deux sources. Ouais, il y avait deux sources d'eau chaude qui coulaient dans cette zone. Pour les bains thermales autrefois. Donc les vestiges romains sont enfouis sous ce lac du Monténard. Sans doute dans la même zone, là où sortait la source. Voilà. Alors, bien sûr, un petit peu dépité quand même. Hein. On ne peut pas tremper les mains dans l'eau chaude. C'est dommage, hein, des vestiges du passé comme ça, qui disparaissent. Hein. Donc voilà, un petit sentier. Nous allons trouver un sentier pour peut-être accéder à la cascade. Je vais suivre Laurent. Tiens, Christophe. Ah, il est derrière. Attention, Laurent. Ici, il y a mieux. Il y a un passage, mon totof. Donc alors, nous sommes bien dans une zone où les chasseurs nous ont confirmé qu'on y trouvait des vipères impressionnantes. Plus grosses que la normale habituelle, on va dire. Et la norme habituelle. Hein. C'est bien ça qu'il nous a dit, Laurent. Ouais, ouais. Donc on aimerait bien voir ces vipères et les filmer, quoi. Voilà. Pour l'instant, aucune rencontre avec les reptiles rampants. Donc voilà, on essaie de voir cette cascade, mais c'est vraiment glissant et dangereux. Là. On va faire attention, on n'accédera peut-être pas en bas. Voilà. Donc selon la légende, ce lieu contient des paillettes d'or. Voilà. On peut penser à comprendre pourquoi on est là. Hein. Bon, dans tels endroits, qu'est-ce qu'on peut se dire dans tels endroits, ben, c'est dommage. Tout est perdu. Les sources d'eau chaude, les mines d'or sont enfouies sous des glissements de terrain. Par contre, ce qu'on peut envisager, c'est pouvoir peut-être trouver quelques paillettes dans le ruisseau. C'est pas très simple parce que la mine d'or est là, on va pouvoir exploiter en bas. Donc ça mériterait des aménagements. Voilà, ça révèle encore qu'au jour d'aujourd'hui, pour trouver quelques grammes d'or, ce serait extrêmement compliqué à exploiter, même si on voulait s'amuser. C'est vrai que 5 ou 6, 7 grammes pour faire une bike, c'est toujours intéressant. Mais non, on pourra pas exploiter ça ici. C'est pas possible. La zone est vraiment dangereuse. C'est dommage parce que c'est un endroit historique. Passé glorieux, chargé d'histoire. Et aujourd'hui, bah, il ne reste plus grand-chose. Hein. Le fameux barrage a quand même bien modifié le paysage. Voilà.
voilà. Là, on peut voir donc notre fameux ruisseau. Et nous sommes sur un monticule de cailloux qui devait être une partie des gravats, en tout cas de l'extraction qui est à proximité. Voilà, les fameux tunnels de l'exploitation sont là. Et ben, les affaissements nous empêchent descendre au fond de la gorge. Voilà le Perrailler, le ruisseau du Perrailler qui coule fortement. Elle est fameuse garderie de l'ancienne exploitation de l'île. Peut-être qu'il y a un chemin en face. On y arrive, déraillé, voilà. Bon, on a vu les mines d'or, c'est magnifique, elles existent. Hein. On a vu les trous, mais les accès sont devenus pas possibles. Alors on essaie de trouver un moyen d'y accéder en longeant donc le ruisseau. On a fait un immense détour pour reprendre le sentier. Et ça a l'air de bien se présenter les gars là. Ouais, ça a l'air de bien se présenter là. C'est la forêt. Ouais, donc c'est par là qu'il va falloir passer en face, ouais. Traverser le fameux pont. Voilà. Et ben pour moi, ça sera un peu meilleur que ce qu'on voyait tout à l'heure. Pour éviter de ramper dans la boue, des fois, c'est bien pratique. Bon, allez, tu passes, bon. Christophe. Allez, bon. Je vous suis, les gars. Faut faire gaffe. Ouais. Donc il y a un petit barrage hein, qui retient les eaux. Bon, encore un os. J'aurais bien aimé trouver le crâne. Ah ouais, il y a un autre morceau là-bas de mâchoire. Remonter le cours de l'histoire. Là, en fait, on est un peu dans une bulle là, une activité de recherche. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, on marche beaucoup déjà. On a trouvé un sentier qui peut-être nous mener aux galeries qu'on cherche. Alors, on sait qu'il y avait un chemin qui y menait, qui est complètement affaissé. On espère que par ici, on pourra accéder à ces fameux trous des mines d'or. Un peu plus étroit. Voilà, sous roche. Un sentier sous roche, comme je les aime. Ah, les chemins de l'histoire. C'est pas pour ça servait. Proximité des trous qu'on cherche. Très beau, c'est très belle construction. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé par là? Qui a fait ça? Quel en était l'usage? Étrange, hein? Ouais. On va monter là.
Donc on est au-dessus des trous qu'on cherche, on n'est pas loin. Ouais, regarde, il y a un poteau qui a été coupé là. Ouais, s'il y a un poteau, c'est que... Ouais. Il y a le lac. Voici, on est en face, là où on était tout à l'heure. On sait qu'on est sur une vieille carrière. C'est une vieille carrière, il n'y a pas de doute là. On voit bien les blocs. Et puis une petite construction qui servait je ne sais à quoi. Et à quoi servaient ces petites pierres? Ça reste un mystère. Voilà. On peut voir les vieux stocks de pierres qui sont là. Voilà. Alors, quel en était l'usage? On l'ignore. On l'ignore totalement. On a trouvé un sentier qui redescend encore. Il va falloir être un peu plus prudent. On y va gentiment. Donc voilà l'ancien chemin. Donc nous étions en face là-bas. Mais nous ne pouvons toujours pas accéder. Nous savons que c'est la zone au fond. Compliqué, hein. Voilà les affaissements de terrain, on les voit bien là. On est sur le... Voilà. Le petit pont, il est là, tu vois. Là. Voilà un des trous des galeries de recherche d'une mine d'or. Donc en effet, on est passé juste au-dessus sans la voir. Parce que c'est des pics glissants et très dangereux. Donc maintenant, on va situer précisément ce trou, tirer une corde et la prochaine fois, on descendra pour aller visiter. Voilà, c'est dans cette zone, dans cette vallée, aux forts affaissements de terrain, on va bientôt plus pouvoir passer si ça continue, que se trouver des trous pour la mine d'or du Perrier. Donc il en existe sûrement d'autres un peu plus en amont. Nous irons inspecter plus tard. Mais je peux vous dire que les conditions sur le terrain sont extrêmement difficiles. Voilà. Je vous fais voir un petit peu les passages. Voilà. Après, il faut être très prudent. Voilà, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et très très prudent et pas glisser. Donc, voilà, c'est notre sport. On repart sur les traces de l'histoire. C'est encore une belle aventure et il y a encore beaucoup d'énigmes à résoudre, sachant qu'on avance hein, sur celle de la mine d'or. Donc aujourd'hui, on est venu quand il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Et ben, ça nous permet de détecter des trous qu'on ne voit pas d'habitude. Hein. Ouais. Donc un trou qu'on a bien reconnu par rapport à de photos anciennes, celui-ci. On rêve maintenant d'aller l'inspecter, quoi. Mais il est quand même assez étroit, faut pas craindre de se glisser dans ces petits trous. Il faut avoir quand même un peu l'habitude. Je suis content d'avoir retrouvé le trou. On va essayer de le situer précisément, alors peut-être ce sera marqué sur mon code GPS. Ouais. On peut bien voir que c'est voilà, ça c'est de facture humaine. Le trou est bien donc de facture humaine, il a été creusé. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, il y a eu un gros investissement. Quand on voit le tas de lances qu'il y a au sud. Alors en fait, c'était pas de ce côté qu'il devait passer. C'était du côté où on arrivait maintenant. C'est pas en face, là. Donc on peut voir hein, que les roches qui sont stockées là-bas, ils bâtissaient quelque chose ici, là. Oui, mais regarde, il y a même ça descend là. Tu vois pas, là, aussi, là. Il y a un. Et donc, nous, on est sur un des éléments. Oui. Alors là, j'ai regardé sur les cartes de Cassini. Il n'y avait aucun pont qui existait. Qu'est-ce que c'était? Alors, est-ce qu'il y avait juste peut-être une passerelle? J'imagine qu'il y avait peut-être des passerelles ou quelque chose. Et pour aller en face au trou, quoi, pour exploiter l'or. C'était tellement discret que... De toute façon... Et oui, quand tu exploites une mine d'or, tu le fais à discrétion, tu vois. Tu ne veux pas la visite, des visites inconvenues. Du coup, déjà, l'endroit pour arriver ici, tu as vu, c'est déjà bien caché. Hein, mais... Je vais essayer de prendre ma photo, là, et pour comparer...
bagnole qui est tombée là. Je me demande comment ça vient. Une bagnole quand même. Dingue. Trop dur. Je ne sais pas ce que je sais trop, mais là, c'est extrêmement difficile. Ouais, une grande aventure encore. Je vous garantis que là, ça, c'est du sport. Nous vous rappelons que là, il faut descendre avec des cordes. Voilà. Lolo respecte la voiture qui est tombée. Et nous avons réussi à atteindre le lit du ruisseau. Vous voyez, c'est un ruisseau. Bien, en ce moment, à cette époque, il y a beaucoup d'eau. Et bien bruyant. Voilà, fameuse vallée des Lunes d'Or. Et bien entendu, je suis là pour examiner ce que je peux trouver dans ce. Alors. Il y a, pour trouver un peu de quelques grammes d'or, c'est jamais évident. Il faut un kit d'orpaillage. Hein. Mais c'est une zone où on pourrait venir éventuellement pour chercher de l'or. Voilà. On marche sur de l'or. Alors bon, très faible quantité, hein, sinon. Je pense que ça sera encore exploité aujourd'hui. On avait prévu des bottes. Hein. Ouais. On est intelligent quand on est aventuré. La classe Lolo, l'ancien à 61 ans. La tête pensante du groupe. Ouais, ça c'est un peu plus récent. Mais là, ils sont pas venus, sont pas embêtés à récupérer la tuture. C'est dommage hein, de voir ça ici comme ça. Ça se trouve, c'est un gars qui a essayé de faire le demi-tour là-haut sur le chemin. On était passé en 4x4 d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on peut plus, sinon il faut une tronçonneuse parce que trop d'arbres sont tombés sur le chemin. Voilà. Bon, Christophe nous surveille là-haut au cas de problème. Il est là pour secourir. C'est toute éventualité. Bon, nous n'avons pas pris des grands risques. Voilà. Du coup, le pérailler continue donc à ronger, lessiver la roche. La roche qui contient donc une petite quantité d'or. Un beau paysage. C'est un beau paysage. Voilà, c'était notre troisième expédition dans le secteur. On va se poser et manger un petit bout. Et c'était plutôt périlleux. Donc aujourd'hui, on n'aurait pas pu descendre sans corps. Voilà. Ça grimpe, ça grimpe. Toujours des dénivelés. Ça, c'est du sport. Pas besoin d'aller dans les salles. Bon, vous voyez pourquoi on vient l'hiver. Sinon, on verrait pas à travers de ces broussailles. Et on arrive à s'y faufiler parce qu'il n'y a plus de feuilles. Voilà. C'est entretenu, hein, le chemin. Les abords du château maintenant.
doute. Nous sommes une vieille propriété où on a la ruine envahie. C'est une belle balade, mais on monte. Voilà, la partie impénétrable l'été. Et ici, il faut savoir que on a les plus grosses vipères connues de l'Isère. Voilà. Donc, on peut comprendre pourquoi. Regardez un peu ces ronces, c'est jamais entretenu. Il n'y a plus un agriculteur qui fait l'entretien. Et la forêt va gagner du terrain. Donc, sur des chemins comme ça. Ah, ouais, il y a un petit truc un peu bizarre là. Suivre. Donc là, c'est une belle expédition, mais c'est hors sentier. Voilà. Donc, c'est ce qu'on suit, en fait, c'est les sentiers à cochons. Hein. Ah, voilà ce qu'on trouve, hein. On a des endroits perdus, un endroit très humide, donc on sait qu'il y a beaucoup de serpents. Et là, on a trouvé un bâtiment d'origine inconnue. Voilà. Rien sur les calas, hein. Je peux vous dire qu'on les a épluchés avant. Rien sur les cartes IGN. Et pourtant, on a répertorié beaucoup de sources, de fontaines et de choses insolites. Mais là, ça n'apparaît pas. Pas grand monde passe par là. Voilà des belles choses. Voilà ce qu'on trouve.